Si vous avez des jeunes à la maison, vous savez que le 28 février aura lieu le Mini Beach Party des grands amis, une soirée très courue, incontournable dans la Matapédia. Et on a parlé avec Valérie Gagné des grands amis pour vous en dévoiler davantage sur cette édition du Mini Beach Party. Nous sommes ici pour parler du Mini Beach Party qui revient encore cette année. Je veux savoir depuis quand ça existe, le Mini Beach Party. Ben écoute, je peux pas te dire l'édition exacte, là, mais on n'est pas loin de la 30e année. Là. Ça existe depuis le tout début des Grands Amis. On fête nos 30 ans cette année. Donc, je te dirais 27-28, là, à peu près, début des années 90, à tous les ans, il y a le Mini Beach Party. Et on rappelle la formule, qu'est-ce qui se passe au Mini Beach Party? C'est vraiment une soirée spéciale, pensée, organisée pour les jeunes de niveau primaire, donc 5-12 ans. Fait qu'il y a un DJ sur place qui met de la musique, les jeunes y dansent. Puis on a plein d'activités autour pour les occuper aussi, donc maquillage. On a quelqu'un qui vient leur faire faire une séance de Zumba. Il y a les célèbres concours de limbo, de hula hoop. Fait que c'est vraiment là, une soirée où les jeunes peuvent venir s'amuser au rythme de la musique. Oui. Il y a du maquillage, c'est ça? Il va y avoir des tatous cette année? Oui. Nouveauté cette année, on va avoir un kiosque à tatous qui va être offert gratuitement, un peu le même principe que les maquillages. Donc, les jeunes qui vont vouloir se faire faire des tatous là, vont pouvoir se gâter à ce niveau-là. Oui. Et ben, il y a toujours le service de cantine. Qu'est-ce qu'on peut y retrouver? Ben, c'est sûr qu'on dit soirée dansante, hein? Fait que, bon, il y a toujours les articles de base, donc quelques bonbons, un peu de breuvage. Mais on a aussi, on n'oublie pas le côté là, plus santé, fait que les jeunes qui souhaitent aussi avoir un aliment plus de type santé, donc il va y avoir du lait au chocolat, des ficelles l'eau, ainsi de suite. Fait qu'il y en a pour tous les goûts, puis à prix quand même abordable. Fait qu'on dit aux jeunes, n'oubliez pas de vous amener un petit peu d'argent supplémentaire si vous voulez vous acheter quelque chose, mais c'est vraiment abordable. Et il y a de la place, des tables pour accueillir les parents. C'est possible de rester avec nos enfants. Oui, ça, c'est souvent une question qu'on se fait poser. Est-ce que les parents peuvent rester? Puis évidemment que oui. C'est pour les tout-petits. Donc, si les parents préfèrent être sur place, bien, c'est toujours quelque chose de possible. Donc, il y a une section vraiment réservée là, avec des chaises. Puis comme tu mentionnais, avec des tables, si les parents veulent rester, ils sont les bienvenus. Puis ils peuvent entrer gratuitement. C'est important de le dire. Et puis, bien, c'est important aussi de rappeler que les jeunes doivent amener leurs souliers. Oui, bien, on est en hiver, hein? Donc évidemment, ils arrivent avec le bottes, mais dans la salle communautaire, bien, les bottes sont interdits là, pour éviter de faire de la saleté puis tout ça. Donc, s'il vous plaît, les jeunes, n'oubliez pas d'apporter vos chaussures. Oui, parce que ça pourrait être dangereux danser, oui, là, dans l'eau. Oui, puis, et puis, un petit détail aussi, c'est à la fin de la soirée. C'est important de revenir chercher les jeunes à l'intérieur. Oui, bien, c'est ça. Pour assurer la sécurité des enfants, c'est sûr qu'à la fin de la soirée ou peu importe au moment à laquelle l'enfant décide de quitter, il faut absolument qu'il soit accompagné d'un parent pour qu'on l'autorise à quitter là, l'espace de la salle communautaire. Donc, on sait que ça peut être des fois dérangeant là, pour les parents qui préfèrent attendre en voiture puis simplement texter. Mais pour éviter les désagréments, là, s'il vous plaît, les parents, entrez chercher vos enfants. Alors, on rappelle le jour et l'heure qu'on doit se présenter pour s'amuser. Oui, donc le Mini Beach, comme à chaque année, lance la semaine de relâche. Donc, c'est vendredi le 28 février à la salle communautaire d'Amqui. Ça commence à 18h et ça se termine à 21h30. Merci beaucoup. Et puis, ben, on vous souhaite de bien vous amuser, vous aussi. Merci beaucoup.